Le bloc NHDC Palm Court à Palma compte 320 appartements. C'est le sixième complexe à être financé pour la création d'un syndic. La nouvelle organisation devrait s'acquitter de plusieurs tâches, entre autres l'entretien, le gardiennage et la discipline. Pour les habitants, le syndic a un rôle important à jouer. Maintenant, nous avons un syndic pour nous en vendre, nous comptons pour l'hygiène, pour la propreté. Nous connaissons qui nous pour résoudre le problème quand nous avons un problème. Ce rôle est bien pour compte bien dans le bâtiment là. Et il a fait souvent le travail bien. Pour moi, il est bon pour les enfants aussi. Je comprends, quand les enfants sont pas occupés, mon gazon, ma la pipe est tombée, mais il n'y a pas de problème. Le conseil syndical de Palm Court a déjà été mis sur pied et un président élu. Nous pouvons faire le gazon, la lumière, le problème de l'eau, et tout le problème de tous les jours qui m'a dit nous rencontrer pendant qui dans toute la vie. Auparavant, il y a un cyclone qui se traversait, tout ben water profil il allait. Mais là, il y a du monde qui se la casse peut couler. Comprend pas qu'il y a un syndic. Pas qu'à faire non rien. Maintenant, quand merci gouvernement qui nous donne nous à l'argent là, qui pour faire tout ça là. Le vice-premier ministre et ministre des Finances, Xavier Luc Duval, a remis un chèque de 64 000 roupies aux habitants du complexe pour la mise sur pied de ce syndic. Chaque mois, une somme similaire leur sera remise. Aujourd'hui, c'est le sixième NHDC qui peut recevoir un fonds mensuel qui finit annoncé dans le budget que chaque famille NHDC, dans tout le complexe, il y a environ 40 dans l'île Maurice concernée, peut recevoir, chaque famille peut recevoir 200 roupies par mois qui a contribué dans un syndic. C'est un nouveau départ pour tout le complexe NHDC parce que nous devons accepter que beaucoup de ce complexe-là peut dégrader parce que dans l'autorité, surtout parce que dans la discipline, parce que dans le syndic et tout cas, quelque chose peut arriver, l'air peut pousser, peut venir insalubrité, saleté, etc. Aujourd'hui, le gouvernement peut faire un transfert donc, de 15 millions de roupies par an à sa bonne famille-là pour être capable d'améliorer notre qualité de vie de tous les jours, que soit capable de vivre dans beaucoup plus de dignité. Tout le monde qui vit dans Maurice trouve combien de développement, combien d'action et combien de développement il y a dans le pays. Pas tout que toi, aller trouve le pays, il y a un chantier. Mais dit, tout ça là, il pour améliorer la vie du monde. Et aujourd'hui, avec cette action-là, nous allons améliorer la vie de tous les jours, la vie quotidienne de chaque personne qui habite dans sa complexe NHDC Palm Court. Maurice compte 44 complexes NHDC. Des syndics seront mis sur pied dans tous les complexes à travers le pays.